La sonnerie aux morts, c'est le rituel qui a accompagné le dépôt de la gerbe de fleurs ici au cimetière de Mukunzingwaka. Situé dans le premier arrondissement de Brazzaville, ce site abrite également les tombes de certaines personnalités, même du monde du football. Et Jean-Luc Moutou s'en souvient. Mais au fond, c'est le respect d'une solennité catholique qui commande cette pratique des autorités congolaises. Nous la respectons ainsi scrupuleusement chaque 1er novembre, en rendant ainsi un hommage mérité à tous nos saints. Vous savez que sur ce site de Mukunzingwaka, il y a à la fois des anonymes, mais aussi des célébrités. Ici repose pour l'éternité, par exemple, Zabana Jado, qui a été un grand nom dans notre football. Et à travers lui et à travers tous les autres anonymes qui reposent ici pour l'éternité, le gouvernement a voulu ainsi célébrer tous ces saints. Pour l'Église catholique, la Toussaint est une fête consacrée à tous les saints, une culture qui date du 4e siècle dans les églises orientales et à Rome au 5e siècle.